Amis internautes, bonjour, bonsoir, bonne année, bonne santé. Dans cette vidéo, on va parler de la sorcellerie en France. Parce qu'on parle beaucoup de laïcité, d'islam, de temps en temps un peu de catholicisme. On ne parle jamais de la sorcellerie et de Satan en France. Ils sont tous dans l'occultisme. Que ce soit les politiciens, les artistes, les sportifs, les scientifiques. Ils sont tous dans la sorcellerie. À des niveaux différents, à des échelles différentes, mais tous issus sur une même racine. Cette racine qui tire son pouvoir dans le bas astral. Dans le pays qu'on appelle la France, il y a des gens la nuit qui quittent leur corps, mais pas comme nous tous. Ne partent pas dans le monde des rêves. Cela, il reste ici. Ces gens-là pratiquent des rites sataniques, démoniaques. Ils font des pactes avec le peuple des reptiles, le peuple de Satan. Ils se sont alliés avec eux pour détruire les humains. Ceux qui ont le pouvoir en France, et pour le coup, cette fois-ci, je ne parlerai que de la France, ce sont ceux qui sont au plus loin et au plus haut dans le monde mystique, dans le monde éthérique, dans le monde astral. On vous parle des petits hommes gris, des reptiliens, des extraterrestres venus de l'espace. Mais toutes ces choses-là sont des démons. Qui ne viennent pas d'une autre planète, c'est faux. C'est pas vrai. Les scientifiques de bonne foi l'ont déprouvé. La France est un pays qui n'a pas arrêté ses rites païens. Et c'est pour ça que la France tient autant à sa laïcité. Parce que la laïcité leur permet de pratiquer leur religion. Leur religion qui est coupée de toute source divine. Je répète bien, la religion que ces sorciers pratiquent est coupée de toute source divine. Des sacrifices. La pédophilie. Le drainage énergétique. La destruction des masses. L'endoctrination des masses. La conformisation de la masse. Les gens qui détiennent le pouvoir en France sont ce qu'on pourrait appeler les grands druides. Ils vénèrent Astaroth.
tard va s'appeler Lucifer, Chronos, etc. Il vénère une entité qui n'est pas humaine. La sorcellerie en France est le lobby le plus puissant, avec toutes ses variantes et tous ses lobbies. Ce qui compte pour eux, c'est le sang et le drainage énergétique de basse vibration. Et plus ils pourront en donner à ces entités, et mieux ces entités pourront les aider. Ils ont besoin de sang et de drainage énergétique de basse vibration, telle la colère, la souffrance, la tristesse, tout ce qui peut en suivre. Ils se basent sur des rites anciens, occultes, qui avaient été abolis, qui avaient été scellés par les Kamites. En vertu des lois de la Maat. Les choses qui étaient interdites chez les Kamites sont celles qui ont créé la Matrix actuelle. Et ce sont ces choses-là qui sont derrière ce qu'on peut appeler la sorcellerie et toutes ses variantes. Que ce soit dans les arts du combat. Par exemple, vous croyez que les 36 chambres du Wu-Tang Clan, c'est quoi par exemple? Pour les amateurs de Kung Fu ou même de rap américain? Par exemple, les 36 chambres du Wu-Tang, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez qu'il y a quoi à la 36e chambre? Vous croyez que c'est un humain? La cabale. Est un livre qui enseigne comment communiquer et comment appeler ces choses-là. La franc-maçonnerie, les Templiers, la Rose-Croix. Les Mormons, le druidisme, toutes ces spiritualités ont été infiltrées, et j'en passe. À chaque fois qu'un être humain à l'heure actuelle prie, c'est un être humain qui perd de l'énergie, on lui draine son énergie. La prière est puissance et énergie, et cette énergie-là va quelque part, mais ne part pas là où vous pensez. Et ça serait trop long là, pour l'instant de parler des égrégores, etc. La France est un pays qui pratique la sorcellerie dans tous les domaines, que ce soit dans la musique et les invocations, que ce soit dans le sport et les démons du combat, que ce soit dans la politique,
ce soit dans la science au plus haut niveau, dans les armées. Oh, les armées. Les sacrificateurs de masse, comme je les appelle. J'imagine bien ceux qui doivent avoir des gros chèques. La France est un pays qui est géré par des sorciers. Et derrière cette sorcellerie, il y a des entités. Et ces entités-là, elles ne sont pas humaines. Et le peuple élu, le peuple kamite, le peuple élu, qui est le peuple kamite, jadis avait scellé ces choses-là, qui au final ne sont rien face à nous. Mais nous avons oublié à quel point on était plus puissant que eux. À cause d'eux, certes, mais aussi à cause de la cupidité de certains d'entre nous. Chaque pleine lune en France est une nuit où il y a des sacrifices qui sont faits. Des enfants sont tués, sont violés. Ce que les gens voient dans les films d'horreur est une rigolade face à la réalité. Mais que les gens n'oublient pas une chose. Si le mal existe, le bien existe. Et de la puissance christique. Sera toujours plus fort que toutes ces basses vibrations. Mais le peuple doit se réveiller et sortir de cette matrix. Nous souffrons, les humains souffrent, on meurt de faim, on n'a pas de logement, on ne peut plus construire de vie. On essaie de détruire la cellule familiale. Maintenant, deux hommes peuvent se marier. Mais Sodome et Gomorre n'avaient pas été brûlés. Mais dites-moi, c'était pas par des terroristes, non? C'était par des anges. Je dirais même des archanges. Non? C'est la Bible. À part si la Bible, elle ment. Donc je répète une fois de plus. À l'heure actuelle, ceux qui dirigent la France sont des personnes qui pratiquent la sorcellerie sous ses diverses variantes. Des adeptes des rites anciens, perdus et interdits, qui avaient été scellés et bannis par le peuple élu. Le peuple kamite qui, 10 000 ans avant le premier livre du monothéisme, était déjà circoncis. Ce même peuple qui a construit les pyramides. Qui se trouve dans tous les continents de la planète.